vous devez déclarer au personnel. Parce que ceux-là, quels que soient employés, ils vont travailler toute leur vie, ils n'ont même pas de pension, de retraite. Donc, ce n'est pas bien pour eux qu'on emploie un chauffeur et des chauffeurs qui sont vieux aujourd'hui, qui n'ont travaillé qu'au noir. Et lui aussi, un jour, il aura une pension de retraite. Même si à la fin du mois, il aura 40 000 francs de retraite, c'est quelque chose, au moins, avec ça, il peut manger. Ceux qui n'ont pas du tout les moyens, l'État va s'en charger. Ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais celui qui a un emploi, il travaille pour vous. Vous êtes pris en charge par l'État. Vous, dans votre salaire, vous payez quelque chose à un autre. Prenez en charge également son assurance maladie, qui ne sera que de 5 000 francs par mois. Vous pouvez travailler pendant 40 ans comme cuisinier et avoir votre retraite et avoir l'assurance maladie pour vous, vos trois et vos enfants. Et ce sont ces choses-là que nous sommes tenus de faire dans le pays pour changer le fonctionnement de notre pays.